Bonjour, via cette petite vidéo, nous allons essayer de répondre à un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Souvent, on me dit que Windows est impossible à réinstaller, malgré l'utilisation du processus habituel, il n'y a vraiment rien à faire. Alors souvent, les gens font une petite recherche et les sigles arrivent vite, le BIOS, l'UEFI, GPT, MBR, c'est quoi tout ça? Alors on va simplifier au maximum les explications. Le but, c'est juste de comprendre la notion de table de partitionnement et d'identifier celle de l'ordinateur sur lequel vous travaillez. Il sera alors très facile de faire une installation propre de Windows. Pendant de très nombreuses années, la table de partitionnement, appelée MBR alors, permettait le fonctionnement des ordinateurs et des disques durs. Puis la capacité des supports de stockage, donc des disques durs, a beaucoup augmenté, au point de dépasser ce que la table MBR pouvait, en tout cas savait gérer. C'est la nouvelle structure, la structure GPT, qui a pris le pas. Et la structure MBR, elle est gérée par le BIOS, alors que la structure GPT est gérée par le programme qu'on appelle UEFI. Pour faire simple, les PC qui fonctionnent avec le BIOS, qui fonctionnaient avec le BIOS, supportent toutes les versions de Windows. XP, Vista, 7, 8 et la dernière, la version 10. Si le microprocesseur, le CPU, est ancien et qu'il possède uniquement une architecture en 32 bits, seules les versions 32 bits de Windows peuvent s'installer. Aujourd'hui, et d'ailleurs ça fait assez longtemps maintenant, que tous les processeurs possèdent une architecture en 64 bits. Donc toutes les versions de 32 et 64 bits de Windows peuvent être installées. Les PC qui fonctionnent avec le programme UEFI ne peuvent supporter que les versions 64 bits de Windows. Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Du côté matériel et du côté structure, la table de partitionnement MBR prend en charge 4 partitions primaires maximum et chaque partition ne peut dépasser 2 Teraoctets. En revanche, la table GPT peut gérer jusqu'à 128 partitions primaires avec un maximum de 256 Teraoctets chacune. C'est vraiment énorme, en tout cas avec les standards actuels. Donc si on veut faire une réinstallation complète, propre, comme je le conseille le plus souvent de Windows, il est essentiel de connaître la table de partitionnement de son disque dur, principal bien sûr, que ce soit un disque dur mécanique à plateau ou un disque dur électronique, les fameux SSD. Alors pour faire ça, c'est tout simple, l'outil DiskPart est intégré à Windows et il permet de connaître sa table de partitionnement très facilement. Alors allons-y. Alors on va venir sur le bouton Windows, faire un clic droit dessus et sélectionner la commande exécuter. Dans le champ de saisie, nous allons taper CMD et faire entrer ou le bouton OK. L'invite de commande s'ouvre dans une fenêtre bien noire et on va taper la commande de l'utilitaire DiskPart. Entrée. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Une autre fenêtre d'invite de commande avec l'outil DiskPart déjà lancé. On va taper liste disques, entrée. Et voilà les disques qui sont actuellement en ligne sur la machine sur laquelle je fais la démonstration. On voit qu'il y a 3 disques, on voit leur taille. On voit ici GPT et en l'occurrence, s'ils étaient tous configurés en GPT, on aurait une petite étoile ici. Là en l'occurrence on n'est pas en GPT, on est en MBR. On va essayer ça sur une autre machine. Alors sur cette autre machine on va réaliser la même opération, clic droit, exécuter, CMD, entrée, et on a la vite de commande qui est la même ici. On va taper DiskPart, entrée. La deuxième invite de commande arrive, l'outil se lance, DiskPart. On va faire liste espace disque, entrée. Et là on voit que sur cette machine, il y a 2 disques, le disque 0, le disque 1. Le disque 0 étant toujours celui sur lequel démarre le système Windows. Et là on voit que même si ce n'est pas tout à fait aligné, on voit la partition GPT et les petites étoiles qui sont là, ce qui veut dire que les 2 disques sont bien en format GPT et non pas au format MBR. Donc voilà les 2 différences. Après, pour quitter l'outil, il faut faire ça proprement. Il ne faut pas se contenter de fermer par la croix rouge les 2 fenêtres qui sont ouvertes. On va taper la commande exit pour sortir et on fait entrer. Ça ferme la première. On fait pareil pour la deuxième et
on a quitté les deux et nous connaissons le disque MBR ou GPT sur la machine sur laquelle vous vous trouvez. Et sur la première machine sur laquelle nous étions, on va faire la même chose. On va taper la commande exit et une deuxième fois pour la première fenêtre qui est ouverte. Ah, je ne l'ai pas réactivé. Voilà, exit, entrée et on est sorti. Maintenant, vous savez comment faire pour connaître le type de structure de votre disque dur principal. À bientôt, au revoir.